Salut tout le monde, les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 de la série ERL du Centre. Donc aujourd'hui, les amis, vous allez voir, nous allons acheter le pulvérisateur tout simplement à Borom qui n'en a plus besoin. Donc du coup, on va y acheter ça, comme ça on l'achètera quasiment moins cher qu'un œuf. Et du coup, ça c'est vraiment rentable pour nous vu qu'on n'a pas forcément d'argent. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira. Max de pouces bleus et on est parti juste après l'intro. C'est parti! Donc les amis, voilà, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 de la série ERL du Centre. Donc voilà, tout simplement avant de commencer, je voulais aussi vous remercier pour tous les votes qu'il y a eu aussi sur le dernier épisode. Franchement, vous avez vraiment tout éclaté encore une fois, donc merci à vous tous, ça fait extra plaisir. Et du coup, aujourd'hui les amis, nous sommes partis, nous avons, on va acheter le pulvérisateur à Borom, parce que comme je vous l'ai dit, durant l'intro, il n'a plus trop besoin, et voilà, on va louer aussi du matériel, vous inquiétez pas. Du coup pour le sondage, oui, alors j'ai regardé, donc lui qui j'ai été gagnant je crois, alors attendez, pour les entraîneurs c'était le petit Tarup qui était gagnant, donc c'est vraiment lui aussi que je préférais, je dis pas avant bien sûr qui lequel que je préfère pour pas fausser les votes, mais du coup je préfère aussi le Tarup. Donc bien sûr, si je n'achète pas tout de suite les outils de fauche, etc., c'est que je n'ai pas l'utilité pour le moment. Donc vous inquiétez pas, tout ce qui est sondage actuellement de fauche, j'achèterai ça mais quand j'en aurai l'utilité, et tous vos votes seront compris, vous inquiétez pas, ils seront pris en compte. Voilà, donc aussi pour les moutons, donc j'ai aussi trouvé l'idée, j'ai trouvé la chose qu'il fallait faire. Du coup pour l'eau, j'ai activé le robinet tout simplement qui met l'eau automatiquement, voilà. Et bien sûr pour les bottes, le petit problème qu'il y avait, c'est qu'en fait la nourriture, du coup l'herbe était bien mise, sauf que dans la capacité de l'auge est de 1000 litres. Et bien sûr une botte, on le sait tous, qu'elles font tous 4000 litres. Donc voilà pourquoi la botte est restée actuellement dans l'auge en fait. Voilà pourquoi, voilà le souci. Par contre pas alors. Bien sûr, j'ai aussi du coup un petit souci, c'est les bottes de Dylan que je n'arrive pas à prendre avec les pics, mais avec mes pics. Donc à voir, on verra. Par exemple, pour le moment, c'est que je ne sais pas du tout. On verra ce qu'on fera. Du coup, alors aussi dans cette vidéo, j'aimerais bien acheter, surtout louer, parce que ça serait vachement cool de louer, comme ça au moins ça me gaspille pas trop d'argent. Ce que j'aimerais bien louer du coup, c'est dans la charrue, c'est celle-là. Alors en fait, c'est le petit Roviclears, en fait, c'est un pack de charrue décompacteur. Et du coup, il est pas très gros, il vaut 12 000 euros, mais au moins si je loue, du coup, je loue pour une somme de 637 euros. Et ce qui est vraiment pas cher, donc il fait que du 2 mètres. J'ai quand même des bons petits champs, mais le problème c'est que si je pars sur du trop gros, hein, on sera déjà sur du 2 mètres 8. Ça peut le faire, mais j'aimerais plus partir sur du petit matériel pour le moment. Donc ce serait, je pense, ce serait celui-là, voilà, j'aimerais bien prendre celui-là. Tac comme ça, donc au moins je pense qu'on peut vachement être bien, et du coup on peut louer pour 648 euros vu que j'ai mis des rollers. Donc mais pourquoi pas, on louera ça pour déchaumer, pour décompacter nos champs, parce que actuellement on a ce champ là du coup qui doit être labouré. Celui-là, si on le regarde bien, il doit vraiment être labouré, parce que voilà, il est pas très bien. Et celui-là, vu qu'on avait récolté le tournesol par exemple dedans, il doit être aussi labouré, voilà. Donc au moins ça fait décompacteur, labour, et je trouve ça vachement sympa. Du coup j'ai aussi de l'engrais à épandre de dans ce champ là, faudra peut-être que je le fasse, faudra pas que j'oublie, j'ai déjà pulvérisé deux fois dedans, donc il manque plus qu'une fois, et le champ du coup sera à 100%, et ça franchement ça va être vachement sympa. Donc go, du coup dételer ça, je vais directement aller chercher la charrue, hein. On en a vachement besoin, donc hop, on va enlever les prises de force, c'est bon. Tac. Ah non, c'est qu'il y a aussi une prise de force, ok d'accord, c'est vrai que sur le plateau j'ai pas l'habitude. Donc oui, vous inquiétez pas si j'ai pas le casque, c'est normal, je préfère ne pas avoir de casque quand je parle pas avec des gens, avec Nico ou Borom ou Dylan. Mais bien sûr, tout à l'heure normalement j'aurais peut-être vu, tout à l'heure j'irai chez Borom pour aller acheter son petit pulvé. Donc bon voilà, là quand je devrais acheter le pulvé, je parlerai avec lui, donc j'aurai mon casque, vous inquiétez pas. Mais franchement ça fait vachement être cool de... Ah mais je croise quelqu'un, c'est qui que je croise? C'est qui ça? C'est Nico. C'est Nico, tac, on va se mettre par là. Qu'est-ce qu'il veut faire Nico? C'est bon, il passe? Tu passes Nico? Ok. Allez go, là bon, désolé, je traversais le panneau. Voilà. Allez go, du coup, nous allons chercher le petit décompacteur, le charrue, on va dire. Par contre, je sais pas vraiment si c'est trop réel, ça vous savez. C'est vrai que de la charrue, je suis pas trop fan de la charrue. Moi, personnellement, c'est vrai que j'y arrive, mais c'est pas non plus mon point fort de la charrue. Donc, du coup, à vous de me dire si vraiment ça existe ou pas. Donc, décompacteur, oui, mais c'est des décompacteurs avec qui font charrue en fait. Si ça existe, vraiment, ou alors ça existe que sur les jeux vidéo, je ne sais pas du tout parce que je ne suis pas agriculteur, hein.
Et du coup, mais voilà. Du coup, alors attendez, qu'est-ce qu'on doit prendre? Ça, c'est pas à nous. On va s'arrêter là. Donc, bien sûr, j'aurais pu partir sur du plus gros, hein, mais personnellement, celui-là me suffit. Ça me suffit, du coup, non, pas l'acheter, je vais le louer, malgré que j'ai l'argent pour, mais on a 23 000 euros, donc sans emprunt. Donc déjà, c'est la bonne nouvelle. Il m'avait dit que si je voulais, par exemple, venir prendre sa faucheuse, je pouvais, mais c'est vrai que j'aime pas trop... J'aimerais quand même avoir mes outils à moi. Tac, c'est bon, il n'y a pas de... C'est bon, nickel. J'aimerais bien avoir mes outils à moi. Donc après, bien sûr, pour un début de série, je pense que c'est logique, hein, d'emprunter ou autre. Parce que les autres, déjà, ils ont quand même bien débuté, les autres, comparé à... Parce que moi, je suis arrivé, il y a déjà 3 épisodes, les amis. Ça fait déjà quand même 3 semaines que je suis là, presque, hein. Donc c'est bien, on avance bien. Et aussi, j'ai aussi pas mal de champs, parce que les champs, du coup, se vendent par beaucoup, par en pack. Bah, c'est ce qui veut dire 2-3 champs, hein, par truc. Et du coup, mais voilà. Tac, on va se reculer parce qu'il y en a qui m'ont dit que du coup je traversais un peu le poteau là et que j'étais un peu obligé. Mais bon, j'essaie de plus trop le traverser maintenant. Bah, là, avec cet outil là, du coup, je peux me permettre de reculer et faire des manœuvres. Mais c'est vrai que du coup, avec l'autre, c'est vachement compliqué. Donc, que je croise pas quelqu'un ici. Parce que du coup, la route est assez petite. Tac. Ensuite aussi, il y a aussi du semi. On ira voir la période si on est encore bon. Là, on est au milieu de l'automne. Donc, on est franchement vachement bien encore. On va pas se dire qu'on n'est pas bien du tout. Pour les semis, j'ai semé qu'un champ. Donc, c'est vrai que pour les semis, je suis un tout petit peu en retard. Va falloir que du coup, que je laboure 2 champs. Donc, je pense que je ferai un peu de labour en off. Faudra du coup que je laboure 2 champs. Il faudra que je mette un peu de chaud un peu partout aussi. Et il faudra bien sûr que je sème. Donc, à voir ce que je pourrai semer. Je pense que du coup, je sèmerai. On sera peut-être au 5e jour de l'automne. 5e jour. Donc, on va calculer du coup pour le 4e jour et 5e jour ce qu'il y a, ce que je pourrais semer. Je vais aussi voir donc, du coup pour le prochain jour ce qu'on pourra semer, mais j'aimerais bien faire des rotations de culture, j'aimerais bien aussi faire ça. Tac, voilà. Allez, nickel. Du coup, c'est parti, mais on arrive. Franchement, je suis vraiment content de celui-là. Je savais pas du coup que ce pack existait, et franchement, je le trouve vachement correct, et surtout qu'il y a, beaucoup de... Il y en a beaucoup, en fait, dedans. Il y a beaucoup de configurations, il y a beaucoup de tips si on veut vraiment du gros matériel ou du petit. Et ça, du coup, c'est cool, du coup. Alors, attendez, est-ce qu'on est bon, là? On fera les fourrières plus tard. Du coup, nickel, est-ce que ça marche? C'est bon? Ah, attendez, on va se mettre... ouais. Il est petit, j'ai pas l'habitude, par contre, d'avoir un petit truc. Tac, on va descendre, du coup, puis on va voir un peu si, du coup, c'est bon. Donc là, doit être labouré, et là, du coup, doit être labouré aussi. Alors, attendez, là, il y a un petit souci. J'espère bien qu'il faisait charrue. Mais oui, il faisait charrue, ce qui est logique, du coup. Parce que du coup, je l'ai pris dans la charrue, donc on va voir, on va tester. Nous allons faire 2-3 tours et puis on verra, parce que du coup, c'est vrai que si ça marche pas, c'est un peu dommage. Parce que du coup, je l'ai payé quand même, donc à voir. Je vais faire une ligne, je vais redescendre et je verrai, vous inquiétez pas, je ferai pas ça tout le long de la vidéo. Il faut que je passe du coup un coup d'épandeur à engrais, un coup d'épandeur en grès dans le champ pour avoir un total de 100%, parce que quand on a le mode saison du coup sur une carte... on a bien sûr on doit avoir 3 coups de fertilisation, du coup 3 coups d'engrais, et du coup, mais voilà, du coup c'est pas 2 coups, c'est 3 coups maintenant, hein, ça du coup ne pas oublier. Nickel, allez go. Du coup on va s'arrêter là parce que attendez, juste finir un peu ici, bah il y aura des trous ici, ouais je vais me rater. Sinon je me rate un peu vu qu'il est un peu petit. Je verrai. Attends, je vais me rapprocher un peu. Désolé, c'est que là, j'ai pas l'habitude de devoir du petit matériel, si, mais vraiment du petit comme ça. Je pense que ça peut changer. Et puis, je préfère vous faire voir du petit matériel, qu'on galère un peu, que tout avoir de suite. Surtout. Tac, on va s'arrêter là. On va lever le matériel. Et là, du coup, doit être labouré aussi. Donc là, de plus être labouré, nickel. Donc ça, c'est bon. Là, donc là, on est bon. Donc peut-être, là, il n'y a pas besoin de labour, vous voyez. Mais quand on se met là. Non, il y a besoin de labour. Donc peut-être on est une petite part, on est sur une partie du coup qui est pas labourée, donc je pense que ce qui est logique aussi. Mais bon, si c'est good, c'est good là, parce qu'on peut voir que du coup c'est bien compté comme un labour. Heureusement, parce que j'ai pas envie de perdre mon argent non plus. Donc je sais pas du tout s'il y aura un sondage aujourd'hui. J'aimerais bien aussi commencer, pourquoi pas, bientôt. C'est bon, les personnes. Soit alors des poules, j'aimerais bien, vous savez, un tout petit enclos à poules. Il y a aussi ce que j'aimerais bien aussi faire. Bon, c'est un peu pas cheaté, mais un peu. Ce serait, vous savez, les chevaux. Donc, les chevaux, du coup, un enclos, ça vaut à peu près 8000 euros. Un cheval, ça vaut 5000 euros. Donc, on en a à peu près pour une somme de 12-13 000 euros en comptant le foin, tout ça. Mais le souci, c'est que. Le souci du truc, c'est que quand on le revend, ça vaut 50 000 euros. Et je trouve ça pas. Je trouve ça un peu. Ben, pour une partie comme Starvio, comme autre, etc., qu'on fait, d'accord. Mais là, pour une partie.
essayer vraiment de jouer le maximum roleplay avec des chiffres réalistes et tout. C'est un peu, voilà. Donc pourquoi pas faire des poules. Est-ce que les autres font des poules? Je ne sais pas. Actuellement, je fais des moutons parce que ben, d'un coup, l'enclos, je pouvais avoir l'enclos. Donc moi, j'avais déjà l'enclos de base. Donc j'avais déjà la stabulation de base. Donc j'étais vachement bien. Mais après, voilà, je sais pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, les amis, on va caler un ouvrier. On va embaucher l'ouvrier. Hein, parce que ben, du coup, on a le droit de caler des ouvriers. Du coup, je vais en caler un. Comment dire, je vais l'appeler, hein, on va voir s'il est là. Non, on va en caler un. Plus sérieusement, j'espère qu'il va bien faire le taf, parce que du coup, j'ai pas fait de détour. J'ai pas fait les fourrières pour le moment, il y en a qui les font au début. Bon, on m'a toujours appris à les faire à la fin. Donc voilà. Ok, nickel. Oui, comme c'est petit, hein, on le voit comme c'est petit. Hein, mais bon, le 180 chevaux, les gars, il est vraiment correct et il fait son taf, hein, vraiment. Donc du coup, là du coup, si vous voyez une botte ici, c'est logique. Je crois que je voulais vous faire aussi un petit sondage, mais avant la vidéo, j'ai réfléchi parce que du coup, il y avait des, je voulais bien voulu placer un ou deux un bâtiment, vous savez, pour mettre les bottes de foin. Donc, je pense qu'il y aura un petit sondage. C'est soit je stocke des bottes de foin d'un bâtiment, genre en fond de bâtiment, par exemple comme ça, ou même là, vous voyez, ici ou ici, ou alors, je sais pas vraiment, je sais pas si ce sera un sondage ou pas, mais dites-moi sinon en commentaire, ou alors je place celui-là. C'est une sorte de petit préau, en fait, c'est un petit toit qui est juste là, c'est le hall de Shield, en fait, et du coup, dedans, ça fait un petit préau, en fait, voilà. Et en vrai, ce que j'aurais peut-être pu faire un jour, bon, je pense pas que ce soit possible d'enlever tout ça, vous voyez, on aurait mis ça là, et du coup, ça aurait même pas dépassé trop sur la route ni rien. Vous voyez, pas de trop, on aurait mis ça là, ça aurait été nickel, mais bon, on ne peut pas, donc à voir, voilà, et après ce serait pour les bottes, donc pour le moment je pense que je vais pas les décharger pour le moment, parce que je ne suis pas un pro, je préfère le faire en off, et du coup ben, je trouve ça un peu plus correct. Alors attendez, du coup là ce qu'on va faire maintenant, on va dételer ça, on va dételer, tac, et on va dételer ça, voilà, on va se mettre en x0, on va descendre, et du coup ce qu'on va faire maintenant, on va, c'est bon. Ok, ce qu'on va faire maintenant, du coup, nous allons aller mettre un coup d'engrais juste ici pour qu'on soit nickel. Comme ça, on sera bon. Juste, au pire, dételer ça là. Tac, voilà, nickel. Je vais dételer ça. Je sais pas, je vais le mettre juste là, je pense. Nickel, voilà. Hop, on bouge plus. Voilà, nickel. Voilà, désolé, ça bug un peu à pied. Je suis vraiment désolé, ça va pas forcément de moi. Ça va pas forcément de moi. C'est bon? Nickel. Allez go, du coup on est parti, du coup c'est parti, nous allons épandre de l'engrais. Donc bien sûr, je vous ne l'ai pas dit, mais du coup Dylan ne m'a pas encore remboursé, ne m'a pas payé les 10 000 € qu'il me devait. À la base c'était 12 000, mais vu qu'il m'a du coup, vu que je lui ai acheté 2 000 € de bottes de foin, bah, du coup on a fait le prix là dessus hein. On a fait le prix là dessus, tac, voilà. Est-ce que, alors attendez, flexible. Et du coup dans la benne, je viens de me rendre compte, mais dans la benne j'ai quoi là? J'ai pas des cultures dans la benne? Je pense que si, hein. J'ai fait de la moisson l'autre fois. J'ai eu tournesol, c'est du tournesol ça? Ouais. Donc le tournesol, il a combien le tournesol? Là, alors attendez, je crois que c'est ça. Alors le blé, le tournesol, on est ici. Donc là, il est pas bon. Là, je pense que la semaine prochaine, on pourra le vendre. Il sera, ah oui, ah bah là, le prix est fou là. Pas là, mais la semaine prochaine, il sera à peu près, bah, quand le prochain épisode, je pense qu'il sera à peu près 1 200 €. Donc là, actuellement, on est à 850 €, là on sera à peu près à 1 200 €, donc on a de la marge. Donc nous actuellement on est là. On est là, on est au 4e jour, donc au 6e jour de l'automne, nous pourrons aller vendre ça. Donc je pense que prochain épisode on pourra. Prochain épisode on pourra aller vendre ça, donc bah, c'est cool, voilà, c'est nickel. C'est nickel, on va pouvoir aller vendre ça les gars. Et puis bah, je trouve que ça peut être sympa, ça pourra nous faire un peu d'argent. Après je sais même pas trop on a combien de tonnes, hein. J'ai pas non plus sorti beaucoup de tonnes là-dedans, hein. Dans le champ je n'ai pas sorti beaucoup, après c'était un champ que je voulais acheter avec la ferme. Ah oui d'accord, ok, je sais pourquoi ça marche pas, j'ai pas vu le cardan. Mais bien sûr, on doit être attaché aussi, sinon ça marche pas, hein, c'est logique. Tac, on va se mettre une robe là, hop, voilà, voilà. Ça, ça marche pas, c'est logique, hein. Voilà, et activer les pendeurs en engrais. Et normalement, j'ai un truc à réactiver qui est ça. Ensuite, on le désactive et on le réactive. Normalement, ça devrait peut-être être bon. C'est bon, non? Nickel. C'est parti, du coup. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais le stopper. Je vais le stopper, je vais descendre et du coup, je vais voir si la fertilisation, elle a combien. Je suis curieux, là, je suis curieux. On est à 100%. Nickel, les gars. Donc, 3, du coup, 3 coups de fertilisation. On est bien. Donc là, du coup, vous allez me dire pourquoi t'achètes l'épandeur à Borum. Donc, j'en ai vraiment besoin parce qu'on n'a pas tout le temps des mauvaises herbes sur le mode saison. Mais ça, des fois, on en a. Et du coup, quand il y en aura, ben, faudra que j'évite ça au maximum. Et du coup, il vaut pas très cher. Du coup, il me le vend, je crois, pour 4 000 €. Donc, pour éviter au maximum, les amis, ben, je préfère l'acheter pour 4 000 €. Comme ça, pour les mauvaises herbes, au moins, c'est pas tout le temps qu'il y en a, c'est quasiment même rare. Mais le jour qu'il y en a, au moins, je suis pas dans la précipitation à faire « Oh non, j'en ai pas, etc. Et, » et du coup, ben voilà, ensuite, du coup, on aura du semis à faire, donc peut-être pas dans cette vidéo-là. Actuellement, Borum, est-ce qu'il est chez lui, Borum? Borum, il est chez lui, mais du coup, il devait passer chez Nico aussi entre-temps pour...
pour je sais plus trop quoi faire dans leur ferme. Nous actuellement je sais pas du tout. Donc je vais y aller. Je vais y aller parce que peut-être qu'en fait il est parti de chez Nico et que j'ai pas vu. Mais en tout cas, on va y aller, on va ranger ça tranquillement. Et puis je pense qu'on va partir avec le Fiat. Le Fiat, il est où le Fiat? Ah non, le Fiat, il y a, bah ouais. Il me manque un petit tracteur en vrai. Hein. Vous voyez, celui-là, il y a celui-là qui est pas mal. Lui, je pense c'est vraiment pour les gros aussi, les gros trajets, etc. Les gros. Un peu comme le Fiat, hein. L'autre il fait 180 chevaux. Mais le problème c'est que pour un petit tracteur, vous savez, un petit corps de ferme, parce que le tracteur que le plus petit, c'est un petit pulvée, je crois qu'on a. C'est un petit pulvée qu'il a, un Borum. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment suffisant de fou. Donc je vois que j'en ai tac, tac et tac. Nickel. Allez go, c'est parti. Du coup, alors la route pour Borum, du coup, je ne sais pas trop. Il faut que je fasse le détour, du coup. Il faut que je passe, du coup, à gauche. À gauche, je vais passer par là-bas. Tac. Donc ce New Holland, il est vraiment cool. À part qu'il manque, ouais, les merdes, il n'y a pas besoin de clignotants. Il manque juste les gyrophares dessus. Alors peut-être que je les ai pas vus, du coup je les ai pas mis. Mais ce que je pense pas. Mais sinon franchement, il est vachement correct. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, du coup les gars, à cette vidéo si elle vous plaît. Franchement, ça peut être sympa. Et puis bon, on a fait quand même beaucoup. On a fait, non, on va dire beaucoup. Nous avons fait un peu moins de vues sur le deuxième épisode, ce qui est logique, parce que c'est vrai que. On avait fait un peu les moutons, mais la miniature, j'avais quand même galéré mais du coup à le faire. Mais en tout cas, là au moins, je pense qu'on va progresser pas mal. Dans cette vidéo, du coup, on aura acheté deux nouveaux matériels. Bah, nous avons loué surtout un des chômeurs, mais une charrue décompacteur. Et nous avons acheté le petit pulvérisateur à Borum. Alors, je crois qu'il y a un petit chemin par là. L'entrée est là. Ok, nickel. Donc le pulvée, il est où? Okay. Il est là, le pulvée, d'accord. Bah, du coup, je vais me mettre là, puis je vais attendre qu'il arrive. Je vais me garer, je vais me mettre là, voilà. Je vais me carrer là. Tac. Bon, c'est vrai que du coup, le tracteur est un peu gros pour le pulvée. Tac, on descend là. On va regarder un peu du coup ce que c'est. Ça, c'est du quoi? C'est du combien de mètres, ça? C'est un petit, mais il a l'air dû faire le taf, celui-là. Pulvérisateur, on est à. C'est celui-là, 7500. Et il voulait me vendre 3500, du coup, mais je lui dis 4000 parce que bah 7500, et puis il vaut quand même pas, il est quand même pas mal. Et puis il stocke que 400, celui-là, voilà, il stocke que 400. Donc c'est correct parce que j'ai pas des grandes parcelles. Salut Borom! Ouais, salut, comment tu vas? Et bah ça va très bien, et toi? Ça va nickel, petite journée tranquille. Bah du coup, ouais, durant ton live lundi, du coup, j'ai pu voir que tu cherchais un peu un acheteur pour le pulvé. Puis, Ouais. vu que t'as acheté plus gros, je crois, j'ai vu tout à l'heure en arrivant. Donc, bah c'est Oui. cool. Ouais, j'ai Et vu plus haut. du coup, ouais, celui-là, tu me fais un prix à combien, du coup? Parce que tout à l'heure, tu m'avais dit, je crois, 3 500, je t'ai monté à 4 000. Parce que bah c'est cool, et puis voilà, t'as un pote, donc on est, ouais, je suis à 23 000 euros, donc je pense que je peux te le prendre à Nickel. 4 000 si ça te va. Ok, bah moi ça Voilà, marche. Oui, 4 000. oui, Et oui. puis bah, Ouais. je vais te faire le virement de suite. Je vais te le payer en une Ok. fois parce que du coup pour le moment j'ai mieux de payer en une fois tant j'ai de l'argent. Comme ça je suis bien. Vas-y. Et du coup bah, nickel, voilà, merci d'avoir pensé à moi. Et tu peux me faire voir le nouveau pulvé ou pas du coup? Que Ouais, t'as bah ouais, acheté? bah vas-y, Quelle viens. acquisition? Du coup on passe Viens le me champ qui est derrière le voir là. bâtiment? Ouais. C'est le. Ok, Voilà. ah oui, mais c'est à combien Voilà, de il est mètres là. celui-là? C'est un 21 mètres. Ah bah ouais, t'as des grandes parcelles quand même aussi, hein. Oui, Moi bah oui, j'ai, quand même, ouais. ouais. Après, ouais, t'as des grandes parcelles, donc nickel, ok. Bah, c'est vrai que En l'autre, vrai, il est vraiment bien. Hein. il te faisait un peu petit, je pense, pour des parcelles comme ça. Ah, c'était des Il te 12 faisait mètres, un c'était peu petit. vraiment. Ouais, ça prenait du temps, ça faisait beaucoup de 30 tonnes pour pas grand-chose, donc ouais. Donc, ok, ben nickel, en vrai. Bah, en fait, franchement, ouais, pas mal. Bon, moi, j'en ai pas besoin d'aussi grand pour le moment parce que j'ai que des petites parcelles à côté autour de chez moi. Oui, bah oui, j'avais vu ça. Et Ouais. du coup, mais franchement, ok, bah nickel. Ok, bah, et du coup, tu l'as payé combien à peu près celui-là? C'est au moins 20 000 euros, à peu près? Un Peut-être truc comme ça? 30 000, je pense. Ah ouais, oh la vache! Attends, je vais lire ça. Ah ouais, avec une petite 30 000 case. pile, ouais, voilà. 30 000 euros, 30 000 d'accord, ok, bon, pas de pile. soucis. Bah, ah ouais, Ouais. t'as même pas acheté le réservoir du coup dans cette histoire. Non, non, le réservoir avant sera pour plus tard. D'accord, ok, Borom. Pour plus Eh tard. ben, ok, bon, pas de soucis. Bah, du coup, je te remercie pour le pulvé, j'étais le sac, et bah, je te laisse pulvériser tranquille Ouais, alors. et il faut savoir, je t'ai laissé de l'engrais dedans. Enfin, je sais Ah, pas si c'est une merci, mauvaise humeur. faut que je t'en mette en plus ou faut que je te mette de l'argent en plus ou Non, pas? non, 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 tracasse, tu peux Ok, bon, garder. d'accord. Ok, Voilà. nickel. Oui, bah, tu peux Ok, garder. bah, merci, Borom. Bah, de rien. Allez, à Voilà. plus tard, salut! Ouais, à plus tard. Du coup, les amis, voilà, là, donc on a fini par aller avec Borom. Je vais lui envoyer les 4 000 euros eh ben, pour le pulvé, au moins, tac, c'est fait. Donc là, on est sur un solde de 18 000 euros. On n'est pas top top. Il m'a octroyé les droits parce que pour le pulvé, on est obligé d'octroyer les droits. Donc il m'a laissé un tout petit peu d'engrais. Voilà, c'est déjà ça en plus. Et puis voilà, nickel. Allez, du coup, c'est parti, les amis. Nous rentrons chez nous. On va aussi voir la surprise de l'ouvrier, ce qu'il a fait. Et puis, ben voilà, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Il fait quoi, lui, là? Il a fini le champ? Je vais aller faire les fourrières après, sinon. Il a fait les fourrières en plus? Pas toutes, pas toutes.
Et ok, mais je vais aller faire les fourrières après, enfin. Et puis, mais je pense qu'on sera, bon. Et aussi, je voudrais aussi voir avec vous en fin de vidéo. Donc, pas de sondage aujourd'hui, je pense. Parce que... parce que pour les bottes de foin, j'ai pu réfléchir un peu pendant tout à l'heure, je discutais avec Borom. Et du coup, je pense que je stockerai ça directement dans le bâtiment qu'on a de base. Dites-moi en commentaire, parce que je sais pas, je suis pas sûr non plus. Mais dites-moi en commentaire, voilà. Il n'y aura pas de sondage aujourd'hui, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je voudrais voir avec vous quelle culture on pourra semer, en fait. Quelle culture on pourra semer en off et la semaine prochaine. Ça serait quand même sympa de semer un peu, parce qu'actuellement, nous ne sommes pas... C'est pas ouf ouf quoi, le semi, on a juste semé un champ, donc pour le moment c'est pas ça quoi. Tac, voilà. Nickel, donc voilà, nickel, ça c'est bon. Du coup ce qu'on va faire, on va y aller à pied. On va finir ça, on va ramener le traiteur à la ferme. Non parce que je crois qu'il y a celui-là aussi à faire, ouais. Donc là du coup, alors, nickel, on est bon, on n'y a plus rien à faire. Il n'y a même pas besoin de chaud dans celui-là, vous voyez. Par contre il s'est mis là, bon bah c'est pas très grave, on va remonter dedans. Oh pas mal le bug, j'aime bien le bug. Le bug franchement t'es pas mal. Alors attendez, on va se mettre où? Il y a ici qui a besoin que ça soit fait, du coup les fourrières. Après les fourrières du coup ont été faites de base, donc bon voilà. Tac, nickel. Hop. Ah ça vous avez demandé quand même un peu, il y en a beaucoup qui m'ont demandé un peu de vue extérieure des fois, vu que je faisais quand même pas mal de vue intérieure. Donc vous inquiétez pas, je vais vous en faire un peu plus souvent. Ensuite, Alt S du coup pour voir ça du mode saison. En termes de calendrier, alors du coup, là ce qui est encore à la plantation, ce qu'on attend du coup jusqu'au 7e, jusqu'au 9e jour, on peut semer. On est bien pour semer jusqu'au 9e jour du coup du blé, de l'orge, de l'avoine, du colza. Donc le colza du coup se finit, je pense, hein, fin du prochain épisode pour, pour les semis. Donc on essaiera de voir ça. On peut semer de la betterave, donc sans, non, ça c'est. On peut semer du radis, donc ça on s'en fiche un peu. Et de l'herbe, ok, donc en vrai ce qu'on peut faire c'est du blé, de l'orge et de l'avoine et du colza. Le colza si on se dépêche, hein. Vraiment si on se dépêche pour le colza, pour le moment je suis pas sûr. Mais on essaiera de voir pour ça. Et du coup pour les moutons, on est bon, l'eau ils en ont pas mal. Ok les amis, donc voilà, on est arrivé du coup, on est à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus de la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi. Puis voilà, je voulais vous remercier pour les abonnés. Je crois qu'à l'heure actuelle on a 42 000 abonnés déjà. Donc merci à tous, ça fait ultra plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'on pourrait semer, on pourrait les semer en quoi nos champs, pour respecter quand même les rotations de culture. Ça serait vachement cool, voilà. En tout cas, c'était Zero. Je vous dis du coup à samedi prochain pour l'épisode numéro 4 de la série ERL du centre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, les gars.